Après avoir découvert les joies de l'éducation nationale, les SECPA vont découvrir ceux de la montagne dans les SECPA au ski. Ma grande question est, pourquoi cette suite qui n'a strictement aucun intérêt ? Alors que le premier arrivé à sauver les meubles, celui-ci est un naufrage complet. Il n'y a presque rien à sauver, c'est une mauvaise comédie. Et rien que le concept de se dire on va les amener au ski, ça va mettre de la nouveauté, c'est d'une pauvreté sans nom. Comme pour le premier volet, le film surfe sur les clichés, mais cette fois-ci c'est beaucoup plus lourd qu'avant et ça coupe l'envie de rigoler. Ce qui va faire la grande différence de cette suite, négativement bien entendu, c'est que le premier était peut-être un peu lourd, mais c'était toujours dans un état d'esprit gentil. Là, les SECPA au ski va essayer de nous faire rire maladroitement sur des sujets de sociétal, mais ça ne fonctionne pas et ça crée même des moments assez gênants. Et le seul qui se débrouille bien, c'est Hichem Bouguerraba. Il est bien dans son personnage, les répliques fusent, elles sont efficaces, elles font rigoler, mais il est perdu au milieu de tout ça. Malheureusement pour lui, ça ne suffit pas, la comédie reste mauvaise.